Bonjour à chacun et chacune. Nous nous retrouvons en Église pour célébrer l'Eucharistie. Nous nous retrouvons affectés, atteints par les informations transmises par les médias. Vous êtes tristes de ce qui arrive. Prions au cours de cette messe que l'Esprit-Saint dépose en nous la paix de Dieu et que nous soyons des témoins de la miséricorde de Dieu. Bonne célébration. Bonjour, bonjour, vous pouvez trouver le chant d'entrée à la page 26, « Toi qui peux nous guérir ». Bonne célébration. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu vient constamment vers nous et nous comble de sa parole et nous libère du mal. Tournons-nous vers lui pour l'accueillir et laisser son esprit habiter nos cœurs en vue de les purifier et de les guérir. Seigneur Jésus, toi, le prophète attendu depuis longtemps, tu viens dans notre monde pour nous sauver. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le pardon du Père, tu nous libères du pouvoir du mal. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Que tu puissant, dont le Père de cet échec, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Et d'un seul cœur, laissons éclater notre joie par le droit pratique. Amen.
Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Thank you.
Frères et sœurs, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous protéger, pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. S'exerçait le ministère de Jésus.
du matin jusqu'au soir. Jésus passait parmi les foules en faisant le bien. Il guérissait les malades. Il libérait les gens d'esprits impurs. Il opérait des signes et des miracles éclatants. Les disciples étaient bouche bée à la vue des merveilles que Jésus réalisait. Chaque fois que Jésus pénétrait dans une nouvelle ville, le même rituel se répétait. Les disciples se demandaient à chaque fois jusqu'où le Seigneur allait aller. Il n'agissait pas comme les scribes et les pharisiens. Il présentait un enseignement nouveau donné avec autorité. Des gens de tout âge et de toute condition humaine venaient à lui et étaient guéris. La mission de Jésus pouvait se résumer en un mot. Libération. La présence de Jésus avait un effet libérateur. Tous les projecteurs étaient centrés sur ses moindres faits et gestes. Ils étaient les preuves tangibles de la présence du royaume de Dieu sur terre. Encore aujourd'hui, la mission de Jésus se poursuit. Mais les projecteurs ne sont plus tournés vers Jésus. Ils sont maintenant tournés vers ses disciples. L'Église est la communauté des disciples de Jésus. C'est vous, c'est moi, c'est chacun, chacune de nous. Dans ce contexte-là, on comprend que notre mission comme disciples, c'est de ne pas faire ombrage à Jésus. C'est d'éviter le plus possible que nos gestes et nos paroles viennent obscurcir sa présence. Non seulement les disciples doivent témoigner de Jésus, mais ils doivent remplir un ministère très important, c'est ce qu'on appelle la prière de libération. C'est un ministère que Jésus a rempli fidèlement. Quand une personne possédée venait vers lui, il commençait par prier pour elle. Il imposait les mains en invoquant le Seigneur. Puis Dieu, son Père, lui révélait de quel esprit était possédée la personne. Ce pouvait être un esprit de luxure, un esprit de mensonge ou un esprit d'orgueil. La liste peut être longue. Jésus non seulement intercédait pour la personne, mais il exerçait le don de discernement. Le discernement des esprits est la capacité donnée par Dieu de faire la distinction entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient du mauvais, et ce qui vient des hommes. Dans l'évangile de ce matin que l'on a entendu, Jésus avait compris que le problème dont l'homme souffrait
était d'origine spirituelle. Le problème venait du mauvais. C'est pourquoi il a expulsé l'esprit mauvais et il lui a dit, « Tais-toi, sors de cet homme. » Dans un autre cas, ça aurait pu être différent. À chaque fois, il y avait un discernement à faire. Ce que Jésus a fait, il y a 2000 ans, c'est à nous, c'est ici, de le faire aujourd'hui. Il faut prier pour notre monde qui a besoin de libération. Il faut surtout demander à Dieu la grâce du discernement. Ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses et de reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui vient du mauvais et ce qui vient des hommes. Il y a des situations où tout est mêlé. Je pense à des situations familiales compliquées. Je pense à des dilemmes professionnels très délicats. Je pense aussi à des problèmes pastoraux difficiles à régler. Dans toutes ces situations, il faut prier pour que Jésus passe le premier. Il faut prier pour qu'il vienne libérer ceux qui souffrent, ceux qui sont atteints de maladies de toutes sortes, et qu'elles soient physiques, morales ou spirituelles. Il ne faut surtout pas faire écran à Jésus. Il faut que Jésus vienne au-devant et qu'il exerce son ministère de prière et de compassion au milieu de nous. Ce matin, prions pour tous ceux et celles qui se trouvent dans une situation difficile. Prions pour le cardinal Lacroix, d'autres personnes et pour les personnes qui est en lien avec le repos collectif, afin que le Seigneur les éclaire et les soutienne dans leur épreuve. Prions aussi pour tous les diocésains et diocésaines de Québec, afin qu'au-delà des événements tristes qu'ils surviennent, ils puissent, par la garder la foi en Jésus, mort et ressuscité pour chacun, chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous continuons notre prière par la profession de foi. Je crois en Dieu. Le troisième jour est ici.
l'Esprit est mort, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par le Christ Jésus, médiateur entre Dieu et les humains, confions au Père les besoins du monde, de l'Église et de nos familles, et après chaque intention, nous répondons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu, afin qu'en demeurant à l'écoute de la parole, elle grandisse continuellement dans la connaissance de Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants du monde, afin qu'ils trouvent dans l'Évangile le soutien dont ils ont besoin en vue de travailler pour le bien commun des peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes de chez nous et d'ailleurs, afin que l'Esprit de Dieu les dispose toujours à s'engager dans la construction d'un jour de monde plus juste et fraternel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pauvres, les exclus et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent tout au long de cette année des gens généreux pour qu'ils veillent sur eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'à l'exemple du Christ, elles luttent contre le mal et ouvrent des voies de guérison. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Chacun, chacune de vous avait des intentions personnelles. Prenons quelques instants pour les offrir au Seigneur. Ce matin, je demande au Seigneur d'écouter les intentions de chacun, chacune. Et nous prions pour Marguerite, Marie-Laurence, Alexia, Dominique, Pierre, Gérard, et toutes vos intentions, ensemble nous disons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Ô Père, tu nous demandes de nous mettre à l'écoute de ton Fils, comme toi, tu es toujours à notre écoute. Réponds à nos attentes aujourd'hui et accorde-nous de demeurer des témoins de ton Évangile. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
célébrer. Prions ensemble au moment de faire le sacrifice de Dieu Christ. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et le vent de notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, je t'offre une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Par ta naissance, par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Par son ascension, auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Demain après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. L'évêque auxiliaire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Léo Lebray. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur le tout sans fin, sur les personnes à qui nous avons promis de prier, Gérald, Marguerite, Marie-Laurence, Dominique, nous implorons ta bonté. Permette avec la Vierge Marie, la bénéfice Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saints, Saint Geneviève, Saint Padre Pio, qui ont fait la joie au long des âmes, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Dieu des apôtres,
Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas vos péchés, mais la foi de vos péchés, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-moi signe de cette paix.
Le vendredi 2 février prochain, nous fêtons la Chandeleur, qui est la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Lors de cette célébration, des cierges seront bénis. Ils seront disponibles dans toutes les églises en fin de semaine qui suit, 3 ou 4 février prochain. Vous recevez aujourd'hui le feuillet paroissial pour la prochaine quinzaine. Vous y trouverez l'information sur la nouvelle à la Vierge Marie qui aura lieu début février à l'église Saint-Yves et sur les activités de formation et de rencontre fraternelle pour les jeunes et les adultes. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine à tout le monde.